Hello! Si toi aussi tu te demandes comment est-ce qu'on s'habille en Laponie pendant l'hiver, je te propose de décomposer toutes les étapes avec les différentes couches de vêtements qu'on utilise, notamment quand on travaille dehors avec les chiens et qu'il fait parfois moins 25 degrés. On va commencer par la première couche de vêtements. C'est parti. La première couche, c'est celle qui vous colle à la peau. Donc c'est hyper important. Pour l'eau, je vous conseille vraiment le mérino. C'est de la laine qui est thermorégulatrice. Ça permet à votre corps de respirer et ça contrôle la chaleur. En bas, j'ai un legging chaud, qui est épais, bien élastique. Et en bas, une paire de chaussettes assez fines. Donc ça, c'est pour la première couche. C'est vraiment votre seconde peau. Ok. La deuxième couche, j'ai rajouté un haut à manches longues qui est chaud, qui n'est pas hyper respirant, mais ça apporte de la chaleur. Et j'ai aussi rajouté une paire de chaussettes montantes, donc par-dessus les petites chaussettes. Donc voilà pour la deuxième couche. Ensuite, je rajoute une polaire, toute simple, et un tour de cou polaire. Donc ça, c'est ce qui m'a sauvé la vie pendant tout l'hiver, pour ne pas choper froid. Le tour de cou, toujours à avoir sur soi. L'étape d'après, donc on rajoute une troisième paire de chaussettes, encore plus chaudes et plus montantes. Par-dessus les autres. Hop. Donc là, ça vient couvrir tout le mollet jusqu'en dessous des genoux. Ensuite, on va enfiler un pantalon de ski. Ça, c'est bien chaud. Le bretelle. Hop. Voilà, là, il commence à faire un peu chaud. Hop. Donc là, on a trois paires de chaussettes, un legging, un pantalon de ski, un haut mérino, un haut à manches longues chaud, une polaire, un tour de cou polaire et un buff. Donc ça, ça va servir à bien couvrir les oreilles et à rajouter une petite couche de chaleur autour de la tête. Et c'est pas fini. Je rajoute par-dessus une veste zippée polaire. Hop, on vient fermer jusqu'en haut. Ça vient rajouter une protection. Et ensuite, on va mettre un bonnet. Donc, j'ai soit un bonnet en laine, c'est un peu plus chaud. Soit quand je travaille, j'aime bien avoir un bonnet qui ne craint pas. Et je le mets par-dessus le bœuf. Et voilà. Bon là, je commence à transpirer sérieusement, donc je vais accélérer un peu parce que dans la maison, il fait plutôt 20 degrés que moins 20 degrés. Donc là, on est rendu à la couche des manteaux. Donc moi, quand je suis arrivée, j'avais pas du tout l'équipement qu'il fallait. Donc hop, je vais quand même vous montrer ce que j'utilise. Donc j'ai une veste de ski. Hop. Qu'on vient fermer. Et par-dessus... Là, elle fait vraiment très chaud. On commence à être un peu en mode Michelin. Et par-dessus, j'utilise la veste qui prête là où je travaille. Hop. C'est une couche en plus qui permet d'isoler du froid, du vent. Et faut prendre une bas. C'est volontairement trop grand. Mais quand vous êtes en outdoor comme ça, c'est parfois pratique d'avoir des vêtements un peu plus grands. Vous pouvez aussi rajouter le masque de ski, ça protège bien du froid aussi. Surtout si vous êtes sensible des yeux comme moi. Et par-dessus, la capuche. Là on est bien là. L'idéal, c'est quand même d'avoir une grosse parka bien chaude comme on les guide. Donc je vais vous montrer. Ça c'est le must. Hop. Un peu trop grand pour moi. Avec la capuche fourrée. Voilà, donc là on est presque prêt pour faire du mushing. Qu'est-ce qui nous manque? Les chaussures et les gants. J'ai retiré quelques couches parce que je suis en train de mourir de chaud. Donc pour les chaussures, on va utiliser des bottines.
Donc ça c'est les miennes, c'est des bottines fourrées spéciales pour les moins 20 degrés. Le truc c'est que j'ai pris une taille que je mets normalement. Donc quand t'as 3 paires de chaussettes, c'est un peu serré. En fait j'avais pas du tout pensé au fait qu'il fallait prendre au moins 2 tailles au-dessus. Du coup je les utilise que quand il fait jusqu'à moins 10, moins 15. Mais au-delà, je vais utiliser les bottes qu'ils ont ici. Donc c'est des bottes assez légères mais qui sont bien bien isolées. Et dans le fond j'ai rajouté une semelle de feutre pour bien isoler. Et donc ça c'est du 39, sachant que normalement je suis du 36. Mais voilà, avec 3 paires de chaussettes c'est parfait. Donc on enfile les bottines. Hop. Voilà. Si jamais il y a de la glace par terre, si c'est le cas en ce moment, on va rajouter des crampons. Donc ça vient s'enfiler par-dessus les chaussures. Et ça permet de ne pas glisser sur la glace. La dernière étape, c'est les gants. Donc c'est hyper important. Il faut bien se protéger les mains. Et ça aussi, ça va dépendre de ce que vous faites comme activité. Mais dans tous les cas, quand il fait moins 25 degrés, il vous faut aussi plusieurs couches de gants. Donc la première couche que j'utilise, c'est des gants super fins, tactiles. Donc ça permet d'avoir une première couche. Si jamais vous devez enlever vos autres gants, vous avez toujours quelque chose sur la peau. Ensuite, par-dessus, j'ai des mitaines en laine qui sont chaudes. Ça, c'est hyper cool. Hop, voilà. Et par-dessus, donc, on a des gants de travail qui sont censés être waterproof. Et à toute épreuve. Donc là, ils ont un peu vécu les miens. Voilà, donc ça, c'est utile pour s'occuper des chiens, gérer la nourriture, préparer les traîneaux. Hop, donc ça, c'est les gants qu'on utilise pour le boulot. Ensuite, pour le traîneau, on va mettre d'autres gants qui sont des gants de ski. Donc ça, c'est des gants qu'ils ont ici. Donc ça, c'est hyper chaud. Voilà, ça vient se mettre par-dessus la veste extérieure ici. Et avec ça, on peut faire du traîneau sans problème, c'est bien isolé. Et ben voilà, on est presque prêt. Maintenant, on va rembobiner depuis le début. Et c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus sur comment survivre en Laponie pendant l'hiver. Et un petit conseil entre nous, allez aux toilettes avant de vous habiller.